Amen, amen. Amen, amen, amen. Si nous pouvons continuer, continuons à parler en langue. Amen, 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 et les bouchers qui m'accabaillent, les bouchers chacun. Y'a des bouchers qui m'accabaillent. Et quand les La gloire du Seigneur,
Je viens contempler l'agneau. Oh oui, je viens, je vois la compassion du roi prosterné devant lui. Car tu es Dieu au-dessus de et tout, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les âges, digne d'être adoré. Car tu es Dieu au-dessus de et tout, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les âges, digne d'être adoré. Car tu es Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les âges, digne d'être adoré. Car tu es Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre. Kadeboshaka, Dieu de tous les âges, digne d'être adoré. Accorde-moi la grâce de reconnaître ta domination. Accorde-moi la grâce de reconnaître c'est toi qui domines dans ta vie. C'est pour cela je dis Alléluia Yahvé. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire au gouvernement de Dieu qui arrive, qui atterrit, qui est là, qui est présent en ces lieux. C'est pour cela nous disons Alléluia, gloire à toi Jésus. Oh Yahweh, Alléluia Yahvé. Alléluia, Alléluia Yahvé. Nous disons Alléluia Yahvé.
Alléluia. À toi soit la magnificence, à toi soit l'honneur, à toi soit la révérence, à Yah de Rocher, à toi soit le respect, à toi soit Yah de Rocher Kebaya, oh notre considération, à toi soit oh notre considération, accorde-nous la grâce de te révéler. C'est pour cela que nous disons gloire à Jésus. Nous ne voulons pas la gloire. Nous ne voulons pas autre chose que nous humilier devant toi. Reconnaître que c'est toi, Seigneur, qui domine nos vies. C'est toi qui bâtis nos vies. Nous recherchons, Seigneur, à la bonne fondation. La bonne fondation. Nous ne voulons pas bâtir sur autre chose. Nous ne voulons pas bâtir sur les choses de ce monde. Nous voulons bâtir sur toi seul, Christ. Nous voulons que nos fondements, que la fondation soit Christ. C'est pour cela tout ce qui nous concerne. Nous donnons gloire à toi et nous reconnaissons que tout vient de toi. Tout est fait par toi et tout est pour toi. Tout est pour ta gloire. Gloire à Jésus. Gloire. Gloire à Jésus. Gloire à toi, mon roi. Gloire à toi, mon maître. Oh oui, nous n'avons que toi. Nous ne voulons pas tourner nos regards vers ce monde. Nous tournons nos regards vers toi et toi seul, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est pour cela que nous te disons, quelles que soient les victoires que nous avons, nous venons déposer nos couronnes à tes pieds. Quelles que soient les victoires, quelles que soient tout ce que nous avons, nous venons, Seigneur, nous humilier tous les jours de nos vies. Donne-nous, Seigneur, à demeurer, à avoir cette attitude d'humilité. Nous voulons garder cette attitude d'humilité. Seigneur, je t'en supplie. Ne nous permets pas, Seigneur, d'enfler. Non, nous ne voulons pas être orgueilleux. Non, donne-nous à être humbles devant toi. Parce que tu as dit dans ta parole, tu fais grâce aux humbles. Tu résistes aux humiles, aux orgueilleux. Mais tu fais grâce aux humbles. Donne-nous, Seigneur, à nous humilier tous les jours de nos vies. C'est pour cela que nous disons gloire, gloire, gloire à Jésus. Aïe, à débaucher. Élève la voix pour lui dire à toi soit la gloire. Toutes mes victoires, je viens déposer à tes pieds. Tout ce qui est, tout ce que j'ai reçu comme victoire, comme satisfaction, comme gloire, je refuse cette gloire. Je viens déposer la gloire à tes pieds. Je viens déposer toute la gloire. À toi soit la gloire. Parce que dans le monde, si tu ne fais pas ce travail, tu vas en feu. Au moindre compliment, tu risques de enfler. Tout compliment est un piège. Tout compliment est un piège.
alors tu dois toujours veiller à ce que ton cœur reste humble, que ton cœur s'humilie toujours devant le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Accorde-nous la grâce de garder nos cœurs. Accorde-nous la grâce de garder nos cœurs. Parce que nous ne voulons pas autre chose. Nous voulons que toi. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous désirons. C'est toi que nous recherchons. C'est toi, Seigneur, toi et toi seul. Alors je refuse toutes les couronnes sur cette terre. Je viens déposer les couronnes à tes pieds. Je viens jeter les couronnes à tes pieds. Oh, toi l'auteur et le consommateur de ma foi. Aïe, aïe, mon Dieu. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus Christ mon roi. Ah, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Ah, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Ah, ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ah, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oui, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Est-ce que tu peux le dire? Ce nom est si merveilleux. Ah, la bouche de ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh oui, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oui, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Est-ce que tu peux encore le dire? Ce nom est si merveilleux. Repasse ce chant à l'intérieur de toi. Parce qu'il doit être le seul à être précieux à l'intérieur de toi. Le seul à être précieux à l'intérieur de toi. Alors c'est pour cela que tu le dis. Ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oui, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Est-ce que tu peux encore le dire? Ce nom est si merveilleux. Oh oui, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh oui, ce nom est si merveilleux. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de garder jalousement ce nom. Aïe, adébauchez. Ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh oui, ce nom est si merveilleux. Aïe, nous voulons que tu sois le seul à être précieux à l'intérieur de nous. L'autre précieux trésor. Ce nom est si merveilleux. Oh oui, notre précieux trésor. Ce nom est si merveilleux. Oh oui, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh oui, ce nom est si merveilleux. Ah, sa beauté. Sa beauté sans pareil. Ah oui, ce nom est si merveilleux. Ah, yage moche, de bababa, moche, papa. Le nom de Jésus.
Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oui, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien aimé, le nom de Jésus. C'est une richesse, c'est un précieux trésor que le Seigneur nous a donné. Il t'a donné ce nom. Et il n'a pas donné le nom, ce nom-là, juste pour venir chanter à l'église, juste pour prendre conscience que voilà, tu es nouvelle création. Mais le nom de Jésus est une arme. Amen. Le nom de Jésus est une arme. Le nom de Jésus te donne accès à la gloire de Dieu. Le nom de Jésus est une arme. Alors tu dois prendre au sérieux ce nom. Le nom de Jésus doit être précieux pour toi. Il ne faut pas mépriser le nom de Jésus. Il ne faut pas parler comme autrefois. Les enfants d'Israël prophétisaient au nom de l'Éternel alors que Dieu n'avait pas parlé. Combien de fois il arrive d'entendre des choses, des prophéties, des choses, mais ça n'a pas été inspiré du Seigneur, mais que ça a été inspiré des personnes propres. Il y a des fois même la personne qui parle pense être conduite par le Seigneur. Mais alors que ce n'est pas vrai. La clé, c'est de rechercher la bonne fondation. La clé, c'est d'avoir le cœur pur. Amen. La clé, c'est de te laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. La clé, ce n'est pas de rechercher les désirs de ce monde. La clé, c'est de rechercher la volonté de Dieu. Amen. Je peux acclamer le Seigneur. Amen. Le Seigneur nous conduit ce soir à vouloir, à prendre conscience que ce nom, son nom qu'il nous a donné est précieux. Amen. Le nom de Jésus est précieux. C'est ce nom qui nous a donné accès à la gloire de Dieu. Amen. C'est une richesse inouïe. Une richesse inouïe, bien-aimé. C'est comme si on te donne une clé. Où il y a le trésor. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a suivi, par exemple, Indiana Jones, par le passé, Indiana Jones, tous les autres films qu'on regardait par le passé, à la recherche des trésors. Vous voyez comment ils payaient le prix. Il y en a même qui mouraient juste pour avoir ce trésor. Pour y se battaient. Ils payaient le prix pour aller jusque dans des endroits compliqués. Il y a des fois même, c'était la vie ou la mort. Mais ils voulaient arriver. Et beaucoup tombaient, beaucoup mouraient quand on regardait dans ce film. Parce qu'ils poursuivaient le trésor. Mais le Seigneur t'a donné un trésor beaucoup plus glorieux que tout trésor qui peut exister sur la terre. Alors, comment tu considères ce trésor que le Seigneur t'a donné? Amen. Comment tu considères ce trésor? Amen. Est-ce que c'est un précieux trésor pour toi? Est-ce qu'il est précieux pour toi? Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or.
Seigneur, Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne vaut, rien ne peut se comparer à toi. Est-ce que tu peux encore le dire, Seigneur, Seigneur, oh tu es, oh plus précieux que l'argent. Seigneur, 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 oh, accorde-moi la grâce de reconnaître. Accorde-moi la grâce de reconnaître. Tous les jours de ma vie, c'est tous les jours de ma vie, je veux reconnaître que tu es précieux. Ah, plus beau que le diamant. Oh, rien, rien, rien ne peut se comparer à toi. Est-ce que tu peux lever la voix pour lui dire Seigneur, Seigneur, Seigneur? Ah, il y a des rochers, il y a des rochers, des plus précieux que l'argent. Seigneur, Seigneur, il y a des beaux chagrins, accorde-nous la grâce tous les jours de nos vies de reconnaître. Je reconnais que tu es plus précieux. Accorde-nous la grâce de le savoir. Tous les jours, je veux le proclamer. Je veux le déclarer. Oui, je veux l'annoncer plus haut. Seigneur, dans ma vie, dans ma famille, dans ma vie, dans mon entourage, dans tout ce que je fais, je veux que tu sois la première place. Rien ne peut me à toi. C'est pour cela que je dis Seigneur, 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 donne-moi tous les jours de prendre conscience. Oh, tu es précieux que l'argent. Oh, Seigneur, 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 donne-nous, Seigneur, au Père, donne à ma soeur et à mon frère de le reconnaître, parce que tu es la richesse unique, la plus grande richesse que nous pouvons avoir sur cette terre. Alors donne-nous à garder cela au plus profond de nous, dans le cœur. Élève la voix, dis-lui, tu es plus précieux. Oh, tu es plus précieux, plus précieux dans ma vie, oh Seigneur. Donne-moi à te garder dans mon cœur. Accélère, Seigneur, ta parole dans le tableau de mon cœur. Donne-moi, Seigneur, je t'en supplie. Tu es précieux. Ah, parle-lui, tu es. Dis-lui ces mots d'amour. Dis-lui ton attachement. Est-ce que tu peux lui dire, il est là, il est en train de t'entendre, il est en train de décider que tous les jours de ta vie, il restera à la première place. Tous les jours de ta vie, il sera toujours sur le trône de ton cœur. Il n'y aura pas d'autre nom sur le trône de ton cœur. Ah, parce qu'il est plus précieux, il est plus précieux. Donne-moi à le reconnaître. Donne-moi, Seigneur, je t'en supplie. Donne-moi à le reconnaître. Donne-moi à me battre pour cela. Seigneur, je veux me battre pour ton nom. Donne-moi à me battre, Seigneur, afin que tu sois le seul à être précieux à l'intérieur de moi. Ce n'est pas les maisons de ce monde. Ce n'est pas les voitures de ce monde. Ce n'est pas le travail. Ce n'est pas les choses de ce monde. Non. Donne-moi, Seigneur, à me battre, à combattre le bon combat. À combattre le bon combat. Gardez vos chéquilles. Gardez vos chéquilles. La parole de Dieu déclare dans 1 Timothée 1, 18 à 19. Allez vous chéquer, bababababouche. Allez vous chéquer, bababababouche.
Donne-moi à combattre le bon combat. Je veux combattre le bon combat. Dis à ton frère, à ta soeur, je veux combattre le bon combat. Et parle à ton Dieu, Seigneur, aide-moi à combattre le bon combat. Seigneur, aide-moi à combattre le bon combat. 1 Timothée 1. Verset 18. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Tu combattes le bon combat. Dis encore, Seigneur, aide-moi à combattre le bon combat. La recommandation que je t'adresse, c'est l'apôtre Paul qui parle à son fils Timothée. Il lui dit, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Et comment le faire? Verset 19, en gardant la foi et une bonne conscience. En gardant la foi et une bonne conscience. Là, on ne parle pas simplement du combat de la foi, mais l'apôtre Paul met en lumière ces deux choses, la conscience, une bonne conscience et la foi. Les deux, ça va ensemble. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Amen. Dis encore, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. À combattre le bon combat. À combattre le bon combat. Si nous sommes en train de demander à Dieu, de lui dire, de témoigner, de proclamer, de déclarer que tu es précieux. Tu es plus précieux que l'argent. Tu es plus précieux que l'or. Tu es plus beau que le diamant. C'est pour que nous puissions nous focaliser à qui? À lui et à lui seul. Amen. À ce que lui, il dit dans sa parole. Ce n'est pas ce que les gens disent. Les choses peut-être qui ont envie, peut-être j'ai envie d'entendre des bonnes choses. On peut me dire des choses, on peut te dire des compliments, des compliments, on peut te faire des compliments. On peut même te dire des choses que tu as envie, des désirs que tu as dans le cœur. Et quand on te les dit, ça te fait plaisir. Mais quand c'est la parole qui vient du Seigneur, la parole aura toujours l'effet de te ramener, ton cœur à Dieu. Amen. Mais la parole qui sort des hommes, ou de la volonté humaine, ou simplement de motivation humaine, ça t'amènera à enfler d'orgueil. Quelqu'un peut dire aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Parce qu'il n'y a que deux maîtres sur la terre. Il y a Dieu et Mammon. Si tu sers Dieu, soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Amen. Amen. Tu suivras l'un et tu ne suivras pas l'autre. Tu ne peux pas être entre les deux. Ce principe-là ne marche pas entre deux. Je vois quelqu'un qui comprend à la politique. Parfois on dit entre deux, à gauche et à droite. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ça ne marche pas dans le royaume. Ça ne marche pas.
marche pas. Tu ne peux pas être entre les deux en disant je suis maman, maman c'est le dieu de l'argent et je suis Dieu. Tu ne peux pas. C'est pas possible. Parce que si tu suis Dieu véritablement, tu vas voir que le Seigneur te conduira toujours à aller rechercher des âmes. Quelqu'un peut dire amen à cela. Amen. Parce que c'est un peu comme deux monnaies. D'un côté, c'est l'argent, la rémunération, c'est la richesse que tu as, c'est l'argent. De l'autre côté, c'est une autre richesse. Mais qui est plus précieuse? Et ça s'appelle l'âme ou les âmes. Donc, quelqu'un qui suit Dieu, qui est connecté au cœur de Dieu, le Seigneur rémunérera toujours cette personne. Amen. En termes d'âme. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc ça veut dire que avant d'arriver à la richesse, ta motivation doit d'abord être les âmes. Ça veut dire que tu dois d'abord rechercher ce que le cœur de Dieu recherche. C'est comme ça que tu peux garder ton cœur. Pour garder son cœur, tu dois veiller, est-ce que ce que je suis en train de rechercher en premier, est-ce que c'est ce que Dieu recherche? Et tu vas voir que si tu ne fais pas attention, il y aura un peu comme un mélange. Parce que si tu prends de l'eau, amen, tu prends 5 litres d'eau. Et si tu mets un peu d'acide dedans, quand tu vas regarder, tu ne verras pas que il y a de l'acide dedans. Mais cette eau-là, tu ne peux plus boire ça. Cette eau-là, tu ne peux plus te laver avec ça. Parce que c'est une eau qui est empoisonnée. C'est pour cela, souvent, nous ne voyons pas. On vient à l'église, on est tous là. On sert le Seigneur, on célèbre le Seigneur. Mais on voit de l'eau. Qui peut dire aïe aïe aïe? Aïe aïe aïe. On voit de l'eau. On dit mais l'eau là est propice. Peut-être bu, peut-être on peut se laver avec. Mais le Seigneur doit te donner le discernement. Afin de pouvoir déterminer ce qui est précieux et ce qui est vil. Qui veut ce discernement? Amen. Tu peux dire Seigneur, il est mis les yeux de nos cœurs afin de discerner ce qui est précieux et ce qui est vil. Alors c'est lui qui met dans son cœur le Seigneur toujours en première place. Parce que notre Dieu est jaloux. C'est un Dieu, il est un Dieu jaloux. Il ne permet pas, il ne permet à personne d'être sur le trône de nos cœurs. Il ne permet pas, il veut être le seul à être sur le trône de nos cœurs. Donc, dès que tu commences à permettre à ton cœur autre chose que lui, alors il prend ses distances. Le Saint-Esprit est attristé et il te laisse faire. C'est que souvent, je vous dis ici, tu étais en train de marcher avec le Seigneur et puis à un moment donné, le Seigneur s'arrête. Et toi, tu continues seul à avancer. Donc, quand tu continues à avancer, tu perds ce qu'on appelle le discernement. Parce que quand tu es avec le Seigneur, tu peux discerner. Parce que le Saint-Esprit t'inspire, te révèle. Parce qu'il est devant toi. Amen. Amen.
Tu peux passer dans des moments difficiles, mais comme il est devant toi, sa houlette et son bâton te rassurent, te gardent, te protègent. Mais s'il s'arrête, toi tu avances, tu passes devant le Seigneur. Est-ce que quelqu'un veut passer devant le Seigneur? Amen. Amen. Non. Quelqu'un veut dire aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un veut passer devant le Seigneur? Amen. Amen. Non. Ah. Tu veux passer devant le Seigneur? Non, pas devant. Ah, voilà. Je voulais vérifier si vous suivez. Vous êtes tombé dans le piège. Miséricorde. Ah. Non, tu ne peux pas passer devant le Seigneur. Il doit rester devant. Et toi, tu suis derrière. Parce qu'il est la tête. Il est le chef. Il est celui qui guide. Il est la lumière qui conduit. Il est la lumière. Donc, si lui, il s'arrête, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui passes devant. Et tu commences à avancer seul. Et le Seigneur s'est déjà arrêté. Il n'avance plus avec toi. Que ça s'accomplisse pas dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, quand ça arrive, qu'est-ce qui se passe? Tu perds le discernement. Et tu vas voir que la nature a horreur du vide. Et quand ce n'est plus le, tu n'es plus là, si le Seigneur n'est plus avec toi, ça veut dire que l'ennemi est avec toi. Et s'il est avec toi, qu'est-ce qui va se faire? Tu vas commencer à travailler pour lui. Dans Romains 6, 16, c'est marqué quoi? Romains 6, 16. La parole de Dieu déclare: ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Amen. Cela veut dire que si tu t'arrêtes, si le Seigneur s'arrête et toi, tu avances, ça veut dire que tu as obéi au moins à une directive de l'ennemi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que Dieu veut que tu sois avec lui et que tu sois obéissant. Et quand tu arrêtes d'obéir, ça veut dire que tu obéis à quelqu'un d'autre. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, vous devenez, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Alors ne dis pas simplement que oui, pour cette fois-ci, ça va aller, j'ai une foi. Non. Parce que si tu fais ça, Dieu s'arrête. Le Saint-Esprit s'arrête. Et toi, tu avances. Et quand tu vas avancer, tu vas perdre le discernement. Et si tu perds le discernement, tu vas commencer à travailler pour quelqu'un d'autre. Parce que si tu ne travailles pas pour lui, parce que lui, il est devant, pourquoi? Pourquoi Dieu est devant toi? Jésus est devant. Le Saint-Esprit est là et devant. C'est pour nous permettre de faire le travail de Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il conduit nos pas. C'est pour cela qu'il nous a conduits ici, dans cette église. C'est pour cela que ce soir, il nous a conduits, il a conduit nos pas ici. Parce qu'il est devant, il avance, il nous permet de servir.
Il nous fait reposer dans les verts pâturages. Psaume 23. Il restaure nos âmes. Il nous dirige près de ses eaux, près des eaux paisibles. Il nous conduit dans les sentiers de sa justice. Il est là. Il est en train de nous faire avancer. Mais pourquoi il le fait? Parce qu'il veut que nous soyons remplis, conduits et revêtus. C'est pour le servir. Amen. Donc, dès que nous commençons à désobéir, et lui passe devant, l'ennemi passe devant, et lui s'arrête. Amen. Donc maintenant, tu commences à suivre quelqu'un d'autre. Tu commences à obéir à quelqu'un d'autre. Et l'ennemi fera tout de manière à ce que tu puisses te dire, « Ah, je commence, je regarde à ma vie. Je regarde à mes finances. Je regarde à mes projets. Je regarde à ma maison. » Et là, tu vas voir que, « Ah, ah, je vais peut-être m'acheter ceci. » Le premier dimanche, tu vas dire, ah, tu vas commencer à regarder, ah, la dîme, j'avais aussi autre chose à faire. Tu vas donner à l'église, tu vas commencer à dire, ah, il ne faut pas que je donne beaucoup parce que j'ai aussi autre chose à faire. Et s'aimer dans la maison du Seigneur, ce n'est pas que là, le trésor, c'est aussi le temps. Tu veux donner du temps, tu dis, ah, le Seigneur commence, l'ennemi commence à t'occuper ailleurs. Dieu t'a donné le mari, tu dis que tu n'as plus le temps pour lui, pour le Seigneur. Dieu t'a donné le travail, là tu dis, ah, je travaille beaucoup, je n'ai plus le temps pour venir à l'église. Dieu t'a donné les enfants. Et tu dis, non, je dois m'occuper des enfants. Tu n'as plus le temps pour lui. Et tout cela, ça t'amènera à servir maman. Et tout cela, tu vas commencer à combattre. Mais c'est subtil au départ, quand tu le fais, étant donné comme je vous ai dit, tu prends 5 litres d'eau et tu mets peut-être quelques centilitres d'acide, au départ, tu ne vas pas te rendre compte de ça. Donc, tu vas venir, tu fais une chose, tu sers à l'église, mais les motivations commencent à changer. Petit à petit, ça change et tu commences à prendre du recul. C'est comme ça que nous avons vu beaucoup de personnes partir, quitter l'église et revenir en arrière, rétrograder. Parce que ça s'est fait progressivement. L'ennemi est subtil. Il fait ça d'une manière subtile. Et c'est pour cela que nous devons garder notre cœur. On doit faire très attention. On doit faire très attention. Alors si nous revenons à ce passage de 1 Timothée 1, 18, c'est pour cela qu'il a parlé, il a dit, il faut garder la foi et une bonne conscience. Parce que la bonne conscience, beaucoup les ont perdus et ils ont fait naufrage à la foi. La bonne conscience, c'est ça qui fait le premier rempart. C'est ça qui permet de protéger un peu la foi. Si tu perds la bonne conscience, et là, tu vas faire naufrage à la foi. La bonne conscience. Qu'est-ce que tu dis, la bonne conscience? La bonne conscience. Alors, c'est quoi une bonne conscience? La conscience, c'est ce que nous savons. Amen. Amen. Maintenant, la bonne conscience, c'est ce que nous savons venant du Seigneur. Parce que tout ce qui vient du Seigneur est bon. Amen.
Et on avait parlé de la volonté bonne, la volonté agréable et la volonté parfaite. Il y a trois niveaux de volonté. Ces trois niveaux-là de volonté nous permettent de pouvoir monter, de toujours chercher le Seigneur à avancer, à rechercher la volonté parfaite de Dieu. Donc, quand tu fais, tu ne connais pas la volonté agréable et la volonté parfaite, c'est déjà bon de venir à l'église. C'est la première étape, c'est bon de venir à l'église. Mais peut-être que tu viens à l'église, mais tu ne sais pas pourquoi tu viens à l'église. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais ne savent pas pourquoi ils viennent. Il y a quelque chose qui les pousse à venir. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement obéi. Il est bon d'obéir. Amen. Amen. Même si tu n'as pas compris, même si tu ne comprends pas, obéis. Même si tu ne vois pas pourquoi tu dois mettre en pratique tes paroles. Même si Dieu te dit simplement pardonne. Mais tu dis, mais il a fait tellement de choses contre moi, pourquoi je l'ai fait? Mais il est bon de pardonner. Quelqu'un peut dire, il est bon d'obéir. Il est bon d'obéir. Si tu désobéis, vous avez compris, le Saint-Esprit s'arrête et tu avances tout seul. Il y a quelqu'un d'autre qui vient devant et en train d'eux, il te dévie le chemin. Le chemin qui était tracé, le sentier des justes, comme on a dit dimanche, la voie qui t'amène, la voie de l'éternité, le chemin de la vérité, tu vas t'éveiller. Mais il le fait d'une manière subtile. Il mélange les choses de manière à ce que tu ne vois pas. Et quand tu vas te rendre compte de ça, tu vas voir que tu es déjà loin. Et même tu es convaincu que tu es dans la bonne. Parce que les gens qui sont rétrogrades ou qui ont rétrogradé ont des bonnes convictions en disant, bon, leur conviction, ils disent que vraiment, moi, je ne vois pas, ce n'est pas nécessaire, hein, je ne vois pas. L'église, c'est ton cœur. Hein? Vous avez déjà entendu ça, non? Mais ils oublient qu'il y a des lois à respecter, la loi de la communion. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? La loi de la communion, fraternelle. Tu enfreins cette loi, ah, le Seigneur s'arrête. Tu avances. Tu commences à dévier. Tu dis non, mais moi je reste à la maison. Et de toute façon, on est connecté. Mais à la maison, tu es connecté. Tu es connecté à distance. Petit à petit, jusqu'à ce que tu sois totalement isolé. Parce que tu as enfreint la loi de la communion. Amen. Dis encore, il est bon d'obéir. Même si tu ne comprends pas, mon frère, ma soeur, obéis seulement. Obéis. Ça te permettra déjà de garder cette conscience, la bonne conscience. Garde ça. Et après, quand tu viendras, le Seigneur t'amènera à l'aimer encore plus. Parce que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et tu vas commencer à aimer, à payer le prix. Parce que quand tu payes un prix, tu es en train de faire un sacrifice. Tu te sacrifies. Et quand tu te sacrifies, c'est un parfum d'agréable. Amen. Qui monte à Dieu. Et là, tu ne fais plus simplement la volonté bonne, parce que bon, il est bon de venir à l'église le dimanche. Il est bon. Mais ça commence à devenir agréable quand tu viens aussi le mercredi et le vendredi. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Parce qu'il y a un sacrifice que tu es en train de faire. Tu quittes ta maison. Tu mets une heure dans les transports, alors que tu pouvais rester chez toi au chaud,
Il y a des fois même en hiver, l'autre jour, on est parti évangéliser, il faisait froid. C'est pour dire, ah, tu te souviens, hein? Ah, il faisait tellement froid. Mais il est bon d'évangéliser. Mais quand le soleil, 37,5, 37 degrés 5, hein? Ben, il est bon d'évangéliser. Mais quand tu évangélises dans le froid, comme on dit froid des canards, je sais, où il y a le vent qui fait ce n'est plus simplement bon, mais ça devient agréable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un commence à saisir? Alléluia. Dis encore à ton voisin, à ta voisine, garde la bonne conscience. C'est en continuant, même si tu ne comprends pas, avance. Et si tu commences à voir que ça devient un sacrifice, tu dois savoir qu'il y a un parfum d'agréable qui monte. Ça veut dire que Dieu commence à prendre plaisir dans ce que tu es en train de faire. Parce que sinon, voilà. Il y a des choses qui font que Dieu prend plaisir. Pour que Dieu prenne plaisir, il faut que ça soit agréable. Il faut que ça ne soit plus ta volonté, mais que ça soit sa volonté. Amen. Alors, Dieu commence à prendre plaisir. Amen. Amen. Qui veut faire plaisir à Dieu? Amen. Alors, quand tu es dans la volonté agréable, c'est un peu aussi... comme je vous le dis souvent, il y a toujours ces trois niveaux. Enfant, fils, et puis épouse. Amen. Amen. Quand tu es encore enfant, là, tu viens, tu fais ce qui est bon. Tu essayes d'obéir à la parole. Tu fais tout de manière obéie. Mais un fils rentre dans la volonté agréable. C'est-à-dire qu'il fait des choses, ce n'est pas sa volonté. Il est conduit par le Saint-Esprit. Le Seigneur lui dit, va là-bas. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés fils de Dieu. Le Seigneur dit, va à gauche. Mais il ne comprend pas pourquoi il doit aller à gauche. Mais il fait quoi? Il obéit. Il obéit. Et quand tu obéis, tu fais comme ça. Là, tu rentres dans la catégorie des jeunes gens, des fils. Parce que quand tu es conduit par le Saint-Esprit, et c'est là où tu es vainqueur, c'est là où l'ennemi ne peut pas te toucher. Parce que les jeunes gens, ils sont forts et ils ont vaincu le malin. Amen. C'est ce travail-là que tu fais, le sacrifice que tu es en train de payer, c'est ça qui te rend fort. Un enfant n'est pas fort. Tu dis, bon, moi, je viens simplement le dimanche. Moi, je fais seulement le strict minimum. C'est un enfant. Il n'est pas entraîné. Il n'est pas entraîné. Mais quand tu commences, quand tu payes le prix, quand tu sers le Seigneur, quand tu fais sa volonté par ta volonté, le Seigneur est en train de t'entraîner. Le Seigneur est en train de te préparer. Tu es en train de rentrer dans une autre dimension. Là, tu es fort. Et quand tu es fort, c'est pour vaincre. C'est pour avoir la victoire. Et c'est pour combattre dans la victoire. Amen. Ils sont acclamés les Seigneurs. Alors, sois fort. Sois un jeune gens. Sois un fils. Parce que les fils font monter à Dieu un parfum d'agréable odeur. Un sacrifice qui monte à lui comme un parfum d'agréable odeur. Amen. Amen. Et en continuant à chercher à être agréable à Dieu, le Seigneur va t'amener à te donner des paroles, des révélations. Amen. Et tu vas commencer à recevoir. Parce que
C'est quand le cœur de Dieu est touché. Quand Dieu est touché par ce que tu fais, par ton œuvre, par ton service, par ton attitude, il répond toujours. Amen. Ouais. Ton Dieu répondra toujours. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc ça veut dire que pendant que tu es en train de le chercher, tu n'as peut-être pas encore la révélation. Amen. Mais tu continues à le chercher. Tu continues à croire qu'il est là. Même si tu ne vois pas la réponse, même si tu n'as pas encore vu, mais tu continues à marcher par la foi. Amen. Et là, quand tu es en train d'agir comme ça, tu es en train de chercher le Seigneur. Il a dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cherche-le pendant qu'il se trouve. Alors, et quand son cœur est touché, alors il te donne la révélation. La révélation. C'est l'éclairage, c'est la lumière. Ça veut dire qu'il se découvre. Ça veut dire qu'il te montre la voie. Ça veut dire qu'il il commence à répondre dans ta vie. Et il commence à... Il te positionne sur le bon chemin. De manière à faire la volonté parfaite des dieux. Et c'est pas qu'à le Seigneur. Parce que tu peux faire la volonté agréable sans que ça soit parfait. Parce que Dieu t'attend ici, mais toi tu es de l'autre côté. Mais Dieu regarde la disposition de ton cœur. Tu payes le prix, tu payes le prix, il voit ton cœur, tu es de bonne disposition de cœur. Tu es docile et animé d'une bonne disposition du cœur. C'est agréable à Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est de te révéler pour te dire, bon, maintenant mon fils, prends à gauche. Là tu rentres. Et là tu vas voir un couloir sur toi. Et tu vas voir, il accélère tes pas. C'est lui qui te propulse maintenant. Parce que son cœur a été touché. Amen. Est-ce que quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire? Amen. Là, maintenant, il te positionne là. C'est pour que tu accomplisses la volonté parfaite de Dieu. Donc, il te met dans le chemin, sur le chemin, pour faire sa volonté parfaite. Et dans cette église, si nous obéissons à tous ces principes-là que nous sommes en train de donner, le Seigneur va nous amener dans la volonté parfaite de cette église. Vous allez voir un couloir qui s'ouvre. Et là, boum, on déménage. Boum, une très grande église. Boum, il y a une foule qui commence à venir. Boum. L'Amérique commence à être touchée. Les incroyants commencent à... C'est un chemin. Amen. La volonté de Dieu, ce n'est pas simplement qu'on reste ici. La volonté de Dieu, c'est de prendre la ville et tous ses environs. Mais pour rentrer dans le plan parfait de Dieu, accomplis la volonté bonne, la volonté agréable. Et le chemin nous mettra, et le Seigneur nous mettra dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen. Il montrera le chemin. Il nous connectera. Il y aura des connexions divines. Il conduira, il amènera ici dans cette église des personnes même qui vont nous permettre d'avoir des portes. Parce que le Seigneur envoie toujours des Jonathan. Amen. Amen. Un Jonathan, il est là pour nous donner des accès.
Et le Seigneur a commencé déjà à envoyer des personnes. Il y a des sœurs qui viennent. Il y a des assistants sociaux qui commencent à arriver à l'église. Il y a des personnes. Ouais. C'est pour ouvrir des portes. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Mais c'est un prix qu'on paye. C'est pour cela qu'il faut avoir la vision. Ne viens pas juste dire je viens pour moi, pour ma vie. Pour... Non. Tu viens pour le Seigneur. Quand tu viens pour le Seigneur, là tu es en train de faire la volonté agréable. Donc c'est ça qui va ouvrir. C'est ça qui va te montrer le chemin. Mais si tu viens pour toi, tu restes au niveau de la volonté bonne. C'est bien de venir à l'église. Mais le Seigneur dit, prie-nous, toi tu pries je. Parce que lui, il veut que tu pries nous. Seigneur, nous avons, nous voulons, nous désirons, nous. Toi tu dis, ah ma vie, mon mari, mes enfants. Le Seigneur dit, bon, c'est bon, mais monte encore un peu plus. Monte. Quand tu commences à monter, tu vas voir que mais, ton sujet, c'est aussi le sujet de ton frère. C'est aussi le sujet de ta soeur. Donc, je ne suis pas seul dans le monde. Nous sommes une famille. C'est pour cela que nous disons notre Père, notre. Ça veut dire que nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Nous appartenons à la famille royale. Et quand nous disons « nous, notre Père », il y a aussi des hommes et des femmes qui sont de la famille, mais qui ne sont pas encore arrivés, qui sont encore dehors. Amen. Quand on fait partie de la famille et tu entends, vous voyez les Américains, dès qu'ils entendent, il y a un Américain qui a été arrêté en... Je vais donner une ville, Tombouctou. Et tu vas voir, ils vont dégager toute l'armée, là, l'armée américaine, les Marines. Ils vont envoyer des militaires, des GIs, qui vont descendre dans la place pour aller récupérer leurs amis, leurs compatriotes. C'est ça? Amen. Les choses que nous voyons dans le monde physique nous révèlent aussi les choses célestes. C'est pour ça que j'aime beaucoup les enseignements du pasteur Christian quand on dit nous devons être en mission de sauvetage des âmes. Je ne sais pas si quelqu'un connaît encore cette prédication du pasteur Christian. Mission secrète de sauvetage des âmes. Parce que toi aussi, Dieu avait déployer son armée pour que tu sois sauvé. Amen. Nous devons agir comme cela. Nous sommes dans la vie, c'est pour opérer dans la vie. C'est pour aller gagner les âmes. C'est samedi, c'est Pâques. Et nous allons sortir pour aller gagner les âmes. C'est la volonté bonne, oui. Et quand nous y allons en pensant, pas à nous, mais aux autres, ça devient agréable. Et quand on prie avant et on reçoit la révélation exactement de où aller, ça devient la volonté parfaite. Oui. Donc on peut être plusieurs, nous sommes quelque part, nous faisons une action. Mais dans l'action que nous faisons, il y en a qui sont dans la volonté bonne, il y en a qui sont dans la volonté agréable, il y en a qui sont dans la volonté parfaite. Mais la volonté de Dieu, que nous soyons tous nombreux à rentrer dans la volonté parfaite. Amen. Alors, ça veut dire quoi? Cette semaine, nous devons rechercher le cœur de Dieu. Seigneur, vendredi, nous allons prier par rapport à ça.
Amen. On va pas sortir juste, on va sortir, on sort, on va regagner les âmes. Mais non, c'est pas comme ça. Donc on se connecte à Dieu pour dire, pour recevoir les directives, où est-ce que vous devez aller, à quel endroit. On ne laisse pas ça simplement à Maman Sophie, à Emaria, à Boucherie, ou à Angèle, qui avait joué récemment. Non. Nous sommes en mission de sauvetage des âmes. Tu veux dire, nous sommes en mission de sauvetage des âmes. C'est un prix payé. Tu vas dire, mais, ah, mais ce jour-là, c'est Pâques. Je vais aller acheter des chocolats pour les enfants. On va aller faire. On va cacher les chocolats dans les jardins parce que je vais recevoir mes enfants ou même les petits-enfants. Quelqu'un dit, aïe, aïe, aïe. Mais si tu veux rentrer dans la volonté agréable, tu vas dire, tu laisses Pâques là, tu laisses les œufs de Pâques là. Toi, tu vas gagner les âmes. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Dis encore, combat le bon combat. À gardant la bonne conscience, à gardant la foi et une bonne conscience. En perdant, quand tu agis, tu suis le monde, tu commences à perdre ta bonne conscience. Et quand tu perds ta bonne conscience, tu es en train de fragiliser ta foi. Tu vas finir par faire un naufrage à la foi. C'est pour cela que tu vois beaucoup de gens ici, le dimanche, il est là, tranquille, il fait son jardin. Il enlève les mauvaises herbes. Ça ne dit rien d'aller à l'église. Rien. Et pourtant, c'était un ancien, un chrétien. On peut dire, non, non. Tu sais, l'église, c'est dans le cœur. Il est convaincu. Il a été trompé par l'ennemi. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc si tu perds cette bonne conscience, tu feras naufrage. C'est juste une question du temps. Ça veut dire que tu ne pourras plus tenir ferme. Parce que c'est la foi qui nous permet de tenir ferme. Il faut avoir la foi ferme. Quand il y aura des pièges, quand il y aura des tentatives de déstabilisation, quand il y aura des attaques de l'ennemi, étant donné que tu ne t'es pas entraîné, alors que les autres venaient pour s'entraîner, même quand ils n'avaient pas envie de venir, ils venaient quand même. Donc du coup, ils sont entraînés parce qu'ils étaient en train de faire la volonté agréable à Dieu, l'agréable de Dieu. Et pendant ce temps-là, toi, qu'est-ce que tu vas se passer? Tu n'es pas fort. Et tu es vaincu par l'ennemi. Que ça ne soit pas notre partage. Amen. Dis encore, Seigneur, tu es plus précieux que l'argent, que l'or. Tu es plus beau que les diamants. Rien ne peut me séparer de toi. Rien ne peut me séparer de toi. Dans Hébreux 4, verset 12. Parce qu'ici, nous sommes en train de parler de la bonne fondation. Si tu as ça, ça c'est la bonne fondation. C'est ça qui va te permettre de tenir ferme. C'est ça qui va te permettre de rester debout.
quelles que soient les attaques de l'ennemi. C'est ça qui va te permettre de bâtir correctement. De ne pas bâtir sur la chose, sur le sable, mais de bâtir sur Christ. Amen. Amen. Dans Hébreux 4, verset 12, la parole de Dieu déclare: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La parole de Dieu est efficace. Cette parole que nous recevons, tu dois faire confiance à cette parole. Même si tu ne la comprends pas, tant que ça sort de la bouche du Seigneur, rentre au moins dans la volonté bonne. Ça te permet de rentrer dans un couloir. Avance déjà là-bas. Mais ne désobéis pas à cette parole. Parce que c'est cette parole qui va te permettre de séparer ce qui est saint et ce qui n'est pas saint dans ta vie. C'est ça qui va te permettre de révéler les choses cachées, de révéler les mauvaises peut-être pensées que tu avais acceptées, comme je dis, le mélange qui s'est passé. Tu as mélangé de l'eau, 5 litres d'eau, avec 5 centilitres d'acide, mais tu te rendais mal par contre. Il y a un poison qui était dans ton cœur. Mais toi, tu ne faisais pas attention à ça. Mais c'est la parole de Dieu qui va faire cette différence, qui va révéler, qui va trancher, qui va te dire: ça, ce n'est pas de moi. Amen. Et la fonction de la parole, c'est toujours de le deux côtés. La révélation et une parole qui va te donner l'encouragement, la correction. Il y a la révélation, l'alerte, la lumière, mais et aussi te donner la force de sortir de l'épreuve, de sortir de ce moment difficile, la parole pour corriger ce qui n'est pas de lui. Amen. Et c'est pour cela dans Jérémie 1:9, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit: voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, j'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Quand la parole arrive, c'est pour arracher ce qui est de l'ennemi. Les mauvaises herbes, les mauvaises sémences, les mauvaises fondations, c'est pour les arracher. C'est pour les abattre. C'est pour les ruiner. C'est pour réduire à néant les pièges de l'ennemi. C'est pour révéler les tentatives de déstabilisation de l'ennemi. C'est pour détruire tout ce qui est du mal dans ta vie. C'est pourquoi, c'est pour bâtir, afin de bâtir et de planter. Parce qu'il a des projets de paix et de malheur pour toi.
Il a des bons projets pour toi. Amen. Amen. Alors c'est pour cela c'est très important de prendre conscience. Ne passons pas, ne disons pas. Obéis à la parole, obéis à la foi. Quand le Saint-Esprit parle, comme on a dit dimanche, ne lui résiste pas. Ne lui résiste pas. Écoute-le, écoute sa voix. Il parle à travers les pères. Il parle à travers son serviteur. Il parle à travers, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À travers les circonstances de la vie. À travers, il parle. Mais quand le Seigneur te montre les choses, il veut séparer ce qui est précieux et de ce qui est vil. Ce qui est saint de ce qui n'est pas saint. Ce qui est charnel de ce qui est spirituel. Garde ces paroles. Même si c'est dur, tu ne comprends pas. Autant convenable, tu recevras la révélation. Mais ne dis pas, je n'ai pas compris cette parole, je ne vais pas obéir. Non. Quand tu veux de clarification, va devant le Seigneur, demande à Dieu de te clarifier les choses. Et si tu ne trouves pas, tu peux voir le serviteur de Dieu pour t'aider, t'accompagner. Mais le Seigneur doit te donner la confirmation. Parce qu'il y a aussi des mauvaises prophéties, des prophéties qui sont données pour satisfaire les désirs du cœur. Parce que nous sommes des êtres spirituels. Donc si tu dépends simplement de la prophétie, d'un prophète, par exemple, sans rechercher le Saint-Esprit, c'est que le Seigneur va te parler. Tu cours un danger important. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres spirituels. C'est lui qui opère dans cette dimension-là prophétique, reçoit une capacité, c'est un don spirituel, c'est le don de discernement. Mais quand nous discernons, on peut discerner ce qui est dans le cœur, les désirs du cœur. Maintenant, les désirs du cœur ne veulent pas dire simplement ce que Dieu dit, ce que Dieu veut. Mais ça peut être aussi les aspirations de la personne. De ce que tu aspires ne veut pas dire simplement c'est ce que Dieu veut. Parce que nous avons aussi des besoins personnels. Nous avons aussi des envies. Nous avons aussi des attentes. Mais ça peut venir de nous. Peut-être que ça ne vient pas de Dieu. Mais si tu vois ça, je peux libérer une parole prophétique pour toi. Parce que j'ai lu ce qui est dans ton âme. Les besoins, les désirs. Mais ça sera, quand je libérerai cette parole, mais ça sera pour ton âme. Ça va te faire du bien. Tu vas dire, ah oui, j'ai reçu, mais cette parole-là, c'est vraiment ce qui était dans ma tête. J'ai pensé à ça aussi. C'est la vérité. Mais non, on a simplement lu ce qui est dans le cœur. C'est pour cela, toute parole qu'on pourra te donner, tu dois toujours ramener ça devant le Seigneur. Seigneur, éclaire-moi. Montre-moi. Parce que c'est lui qui pourra mettre la séparation entre ce qui est de la chair, ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Si nous pouvons obtenir des bons pour clôturer. Je te
Je demeurerai ferme. Je demeurerai ferme en toi. Je Accorde-moi la grâce, Seigneur, de sceller ta parole dans les tables de mon cœur. Accorde-nous la grâce, Seigneur, je t'en supplie. Ce n'est pas en vain que tu nous conduis dans ta maison. Ce n'est pas en vain que tu as conduit nos pas dans ta maison. Ce n'est pas en vain, Seigneur, tu as appelé mon frère, tu as appelé ma sœur. C'est pour que nous puissions avancer avec toi. C'est pour que nous puissions grandir en toi. C'est pour que nous puissions accomplir tes projets de paix et de malheur. Alors, Seigneur, donne-nous à demeurer ferme. Donne-nous à demeurer ferme. Parce que, Seigneur, nous voulons garder ta parole. Nous voulons vivre, suivre la parole de Dieu. Cette parole, qui est la bonne fondation pour nous. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous ne voulons pas bâtir sur autre chose. Nous ne voulons pas bâtir sur le sable. Nous ne voulons pas bâtir sur la chaux. Nous ne voulons pas bâtir sur la paille. Non, accorde-nous la grâce de bâtir sur la fondation, sur toi, Christ, la parole véritable. Cette parole que tu donnes et que tu affirmes, tu confirmes et tu nous permets de révéler, tu nous permets, Seigneur, de montrer, afin de faire la séparation entre ce qui est saint et ce qui n'est pas saint, entre ce qui est haut, ce qui est précieux et ce qui est vil. Non, accorde-nous la grâce, Seigneur, je t'en supplie, de te chercher, toi, le véritable Dieu et la vie éternelle. Seigneur, donne-nous à demeurer ferme. Donne-nous à nous appuyer sur toi et toi seul. Donne-nous à garder ta parole. Donne-nous, Seigneur, à garder ta parole, je t'en supplie. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, bâtir sur autre chose, bâtir sur nos désirs, nos attentes à nous, mais nous voulons bâtir sur ta parole, seule ta parole, et ne passera pas. Tout passera, mais ta parole ne passera pas. Seigneur, pour toujours, ta parole subsistera de génération en génération. Alors, accorde-nous la grâce de bâtir sur ta parole. C'est pour cela que tu as dit dans Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles et que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Seigneur, donne-nous à bâtir sur le roc. Donne-nous à bâtir sur le roc, Seigneur. Non, nous ne voulons pas, Seigneur, faire des choses par nous-mêmes. Nous voulons, Seigneur, au Père, te suivre, toi, Seigneur.
Alors, quelles que soient les intempéries, quelle que soit, Seigneur, quelle que soit la pluie, quelle que soit les torrents, quel que soit le vent qui auront soufflé, Seigneur, mais nous allons demeurer fermes et nous resterons, Seigneur, fermes. Ancrés, Seigneur, en Christ. Nous nous réfugierons toujours, Seigneur, en toi, Christ. Tu as dit, ton nom est une tour forte. Et le juste se réfugie et se trouve en sûreté. Donne-nous, Seigneur, à nous réfugier en ton nom. En toi, Christ, en ton nom, Seigneur. Toi, ton nom, ô ton nom qui est précieux, qui nous permet d'être gardés, protégés et d'avoir la victoire. Nous voulons te dire merci. Merci encore, Seigneur. Élève la voix. Élève la voix pour rendre grâce. Rends grâce, Seigneur. Rends grâce, ô Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur pour la parole que tu nous as donnée encore aujourd'hui. Pour cette parole précieuse que nous avons reçue. Seigneur, toi qui nous as rappelé, Seigneur, de te conduire, de garder ta parole. Parce que tu es précieux, Seigneur. Seigneur, toi qui nous as montré encore ce soir de pouvoir, à rechercher la bonne fondation, de combattre le bon combat, Seigneur, de garder la bonne conscience, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, dans cette église, de combattre le bon combat, de garder la foi, en gardant la foi et en gardant la bonne conscience. Parce que nous ne voulons pas faire naufrage par rapport à la foi, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas perdre cette conscience, cette bonne conscience, et faire naufrage par rapport à la foi. Donnez-nous, Seigneur, à obéir. Donnez-nous à marcher dans la volonté. Oh, la volonté bonne, la volonté agréable et la volonté parfaite. Parce que c'est toi, Seigneur, au temps convenable, tu nous révéleras, Seigneur, le chemin à prendre. L'âge, le chemin, le sentier des justes, le sentier, Seigneur, de l'éternité, pour nous propulser dans notre destinée. Parce que ce que tu veux, ta volonté, et que tous, que nous puissions rentrer et marcher dans le couloir de notre destinée. Nous te bénissons, Père, pour ton amour. Merci encore pour ce temps. Merci pour ce moment que tu as conduit. Merci pour ta parole, Seigneur. Assurément, ta parole n'est pas rare parce que tu nous as encore parlé et tu nous as fait du bien. Nous voulons simplement t'acclamer. Nous voulons simplement te bénir. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te célébrer à toi qui t'as conduit. Tu as tout conduit, Seigneur. Alors que nous clôturons ce temps, nous nous recommandons à ta grâce. Seigneur, nous recommandons nos retours à ta grâce. Donne-nous, Seigneur, à soir ce que nous avons reçu, Seigneur, dans les tables de nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, que ton sang parle pour nous. Merci pour la protection divine. Merci de nous environner de ta grâce quand tu es un bouclier. Merci, Seigneur, de demeurer dans ta présence. Parce que, Seigneur, tu veilles sur nous, tu veilles sur nos vies. Nous te bénissons, Père. Alors que nous clôturons ce temps, nous prions, Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage dès maintenant et à jamais. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons continué avec action de grâce, avec révérence. Avec acclamation, amen, 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 amen. Gloire à Dieu, amen, amen. Est-ce que quelqu'un a reçu encore aujourd'hui? Amen. Merci Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce moment. Donc je rappelle simplement, soyons là vendredi, parce que ça sera, on fera atmosphère de prière prophétique spéciale par rapport à Pâques. Amen. Nous serons nombreux pour ce jour-là. Nous allons passer un bon moment. Par la grâce de Dieu, dans la présence de Dieu, et aussi pour nous préparer à samedi, parce que nous allons faire une sortie d'évangélisation. Donc ça sera un vendredi spécial, amen, amen. Donc ne venez pas pour les femmes d'impact, parce qu'il y aura une veillée qui aura lieu ce vendredi-là. Donc ne venez pas à 23h, les femmes d'impact, amen, amen, amen. Amen. Donc nous allons dès 19h30 commencer parce que nous allons avoir une soirée spéciale. Et nous allons prier
Et puis les femmes d'impact vont continuer tout au long de la nuit. Amen. Dans une veillée ici, dans la présence de Dieu. Et puis, nous allons revenir le samedi à 14h pour l'évangélisation. Nous allons tous sortir pour aller gagner les âmes. Amen. Et si nous voyons Jésus a fait le chemin de la croix, alors ce que nous allons faire, c'est insignifiant par rapport à ce que lui il a fait, au prix payé par Jésus. Alors viens vendredi dès 19h30, sois là, sois dans la présence de Dieu. Les femmes vont continuer à la veillée, et puis à la veillée, et puis le lendemain, soyons là présents pour aller gagner la bonne nouvelle, aller gagner les âmes, parce que nous devons annoncer que Jésus est la résurrection et la vie. Amen. En tout cas, demeurez bénis, soyons nombreux aussi pour le culte. Amen. Continuons à aller chercher les âmes, à inviter. Nous avons des flyers qui sont là. Sentez-vous libre de pouvoir les prendre et les donner à nos proches, à vos proches. Amen. Voilà, demeurez abondamment bénis. Excellente soirée dans la présence de Dieu. Et je vous dis, peace. Au revoir.